La citerne d'une station essence en forme de parallélépipède mesure intérieurement 4 mètres de long, 4 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur. Quel est son volume? Vous avez le choix entre 360 litres, 520 hectolitres, 3600 litres ou 360 hectolitres. Voilà ce que ça donne si on représente le parallélépipède. Donc on a un parallélépipède de 3 mètres par 4 mètres par 3 mètres. Pour calculer le volume d'un parallélépipède, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc ici, on travaille en mètres, donc ça va nous donner des mètres cubes. 3 fois 3 fois 4 égale 36, soit 360 hectolitres. Donc pour trouver ça, il faut avoir en tête ce tableau qui permet d'associer les mètres cubes aux litres, aux hectolitres, etc. Donc ici, on a 36 mètres cubes, donc on place 36 et ça donne en hectolitres 360. Et 360 hectolitres, c'est la réponse D. Donc réponse D.